Tous ces échanges se sont tenus en marge de l'ouverture de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale prévue pour ce mardi. À cet effet, le rapporteur du bureau d'âge a, à travers un message, confirmé la convocation de cette session qui durera presque un mois. Gaël Boussa a, dans cet ordre d'idées, fixé les élus nationaux et l'opinion nationale et internationale sur les différentes matières qui seront traitées tout au long de cette session. On l'écoute dans cet extrait choisi par Félix Matoudi. Vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle sous R-Cons 1438, portant prorogation et habilitation du bureau d'âge de l'Assemblée nationale à finaliser le processus d'examen de la pétition contre un membre du bureau conformément à l'article 31 du règlement intérieur, et à assurer sa gestion courante jusqu'à la mise en place d'un bureau définitif, considérant la nécessité de poursuivre l'examen des pétitions à charge des membres du bureau de l'Assemblée nationale, considérant l'urgence d'autoriser la ratification des accords conclus par la République démocratique du Congo, considérant la nécessité de garantir la pratique de la bonne gouvernance par le contrôle parlementaire, décide, article 1er, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire du 5 janvier au 3 février 2021. Article 2, l'ordre du jour de la session extraordinaire comprend les matières ci-après. 1. Poursuite de l'examen des pétitions à charge d'un membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, projet de loi de ratification et contrôle parlementaire. Article 3. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature.